plus sage, le plus malin. Swamba, le lièvre le plus sage, le plus malin. Swamba, tu es le plus malin. Swamba, tu es notre héros. Dans la savane africaine, tu trouves des solutions à nos problèmes. Swamba, tu es le plus malin. Le lièvre et le lion. Dans une forêt d'Afrique, à côté d'un marigot, un jeune lion nommé Gayende sème la terreur et la peur parmi les animaux de la brousse. Il monopolise le seul point d'eau et y attend les pauvres bêtes assoiffées pour les manger. Swamba, le lièvre rusé de la brousse, décide de faire quelque chose. Il organise une grande réunion. Tous les animaux de la forêt sont là, sauf le lion. Après avoir fait taire tout le monde, il prend la parole. Mes chers amis, la situation est grave. Vous savez tous qu'il n'y a qu'un seul point d'eau dans la brousse. Vous savez aussi que Gayende le lion s'y est installé et nous guette pour son repas quand nous allons boire. La situation est tragique! Tous les animaux acquiescent en cœur. C'est vrai, il a tué ma sœur la semaine dernière. Il faut faire quelque chose. Swamba est content de voir que tout le monde est d'accord avec lui. Alors, il continue. Je vais jouer un tour à notre roi pour le punir. Ayez confiance et laissez-moi faire. Si ce n'est pas trop indiscret de ma part, pouvons-nous savoir en quoi consiste ton plan pour une sortie de cette crise, Monsieur le Sauveur? Aidez-nous, car on meurt tous de soif. Dès le lendemain matin, très tôt, le lièvre part en courant très vite vers la tanière du lion. Attention, mes frères! Un grand vent va arriver sous peu. Si vous ne voulez pas vous envoler, il faut vous attacher solidement à un arbre. Attention, attention! Gayende est effrayé. Attention, il ne sait attention. Pas ce qui se passe. Vénéré Gayende, l'heure est grave. Notre belle forêt va s'envoler. Que se passe-t-il, Swamba? Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Un grand vent arrive. Et c'est pour ça que tu fais tout ce random? Tout ce bruit, juste pour un vent? Votre Majesté, ce vent, ce n'est pas n'importe lequel. C'est ce vent que nos aïeux prévoyaient comme la fin de notre cycle d'existence. Il a même balayé le village des humains et se dirige droit sur nous. Regardez vous-même, Majesté. La poussière qui s'élève vers le village des hommes est un leurre créé par Wobgo l'éléphant, aidé par Ramdé le rhinocéros. Il souffle fort sur le sol. Swamba commence à chercher des cordes de liane. Que veux-tu faire avec ces cordes? Je veux m'attacher à cette arme pour ne pas être emporté par le vent. Attache-moi d'abord! Sinon, je te croque. Swamba, avec l'aide de Buki la hyène, prend soin de bien ligoter leur chef à un gros arbre. Puis, quand ils ont fini... Il faut vérifier si vous êtes bien attaché. Essayez de vous sauver. Le lion tire dans tous les sens. Les cordes de liane sont bien solides et ne cassent pas. J'ai attaché le lion. Rassuré que le lion est bien attaché,
Le lièvre appelle alors tous ses frères de la brousse. Tous les animaux se précipitent vers le marigot pour boire. Enfin, ils n'ont plus peur de se faire dévorer au passage. Ils défilent joyeusement devant le lion. La morale de cette histoire, à quoi sert la force si on n'est pas malin? Bamba, le lièvre le plus sage, le plus malin. Swamba, le lièvre le plus sage, le plus malin. Swamba, tu es le plus malin. Swamba, tu es notre héros. Dans la savane africaine, tu trouves des solutions à nos problèmes. Swamba, tu es le plus malin. Swamba, tu es notre héros. Swamba, le lièvre le plus sage, le plus malin. Swamba, le lièvre le plus sage, le plus malin. Swamba, tu es le plus malin. Swamba, tu es notre héros. Dans la savane africaine, tu trouves des solutions à nos problèmes. Swamba, tu es le plus malin. Swamba, tu es notre héros. Swamba, le lièvre le plus sage, le plus